Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça sera un unboxing fond de sel, si je ne me trompe pas. Donc, je vais prendre un ciseau pour ouvrir. Je l'ai reçu hier. Et comme j'étais chez le médecin, plus pharmacie, plus... j'ai galéré pour avoir mes médicaments. Bref. Voilà, c'est ouvert, j'arrêterai le bruit. Après, pour chaque kit, je mettrai sur pause, je déballe et je reprendrai après. Donc, j'espère que vous avez préparé un petit café, un petit chocolat ou une boisson froide. Parce que... c'est un gros craquage. Donc du coup, je vais en sortir un. Ben, c'est ustensile. Ça, je vais pousser. Voilà. Donc, j'ai pris un Q-Snap de 43,1 sur 27,9 cm. Donc, je vais ouvrir et on le monte ensemble. Poubelle, recyclage. Donc c'est pas dur, hein. J'espère que je vais y arriver avec mes douleurs. Tout ce qui est effort. Voilà. Ah ben, je suis pas dans le... bon. Ça, en fait, je vais vous montrer. Hein, vous avez des encoches et il faut mettre dedans. Je mets sur pause, mon fils vient de descendre. Donc, me revoilà. Mon fils avait soif. Donc, je vous le montre monté. Ah ben, j'ai pas pensé à prendre la mètre. Ben, écoutez, je vous mets sur pause. Je reviens, comme ça, je déballe déjà un autre colis. A tout de suite. Donc, me revoilà avec mon mètre. Et du coup, j'ai tout enlevé du sachet. Donc on va prendre de là. Alors pour une toile à l'intérieur, c'est du 40. Sur 24,5. Et l'extérieur, c'est du 44,5 à peu près, hein, sur du 29. Voilà. Donc celui-là, il va rester monté. Après, j'ai commandé encore un accessoire. Ah ben, vous voyez rien du tout. Là, vous voyez, donc du coup c'est des pinces pour, oh, c'est dur, hein. C'est des pinces, je vous montre, pour pincer. Alors là, vous pincez à la table et celle-ci vous pincez au Q-Snap. J'ai le soleil juste qui tape dans la fenêtre, donc il n'y a pas un truc, ah si, voilà, donc mes souvenirs sont bons, je me souviens, hop, ouais, voilà. Bah, écoutez, j'ai vu des vidéos qui viennent de sites, bah, de AliExpress, et en fait c'était plus chiant à monter apparemment. Mais là, c'est tout facile. Donc, je vous montre. Ça, c'est la partie que vous pincez à la table. Ça, c'est la partie... ok. Que vous pincez au Q-Snap. Si vous pouvez le bouger comme ça.
Voilà. Donc je vous ferai pas le. S'il faut vraiment de la force pour pincer et moi je ne l'ai pas. Donc je demanderai à un de mes enfants de me mettre comme ça dans un coin d'une table. Comme ça, ça ne me gênera pas. Et je pense que la table ne doit pas être épaisse. Donc un coup mon café. Après, on va commencer. Bah attendez, je ne vous ai pas donné les prix, je vais vous les donner. Je vais aller juste sur ma boîte mail. hop. Alors. C'est pas celui-là. Ça, on va y arriver ou pas? Donc le Q-Snap, il était au prix de 8,15 €. Je vais vous et puis apparemment il y a deux, il y aura deux colis. Donc, je vais vous mettre sur celui-là. Donc, sur celui-là, actuellement, aujourd'hui, il est au prix de 9,15 €. Voilà. Pom, pom, pom. Hop, on retourne là. Et les pinces, ça, apparemment, les pinces. Les pinces, ils étaient au prix de 10,61 €. Je vais vous montrer, vous voyez, c'est bien ça. Je vous montre les images. Vous voyez, c'est bien pratique. Et comme ça, on peut broder à deux mains. Vous pouvez mettre des appareils photo. Voilà, il est au prix de 10,61 €, les deux pinces. Voilà. Donc ça, c'est bon. Après, j'ai choisi cette toile-ci. Donc, je crois que c'est la bibliothèque. Je reviens. Ouais, c'est la bibliothèque. Alors, c'est un 40/5. Donc apparemment il était à 5,56 €. Il est toujours à 5,56 €. Donc je vous montre. On s'était toile complète. Alors c'est bibliothèque complète. Donc on va regarder ce que ça donne. Après, c'est DIY cross stitch. Voici, moi j'ai pas de souci avec eux, donc je vous mets sur pause et je reviens dès que j'ai déballé. Donc me revoilà. Donc je vais retourner. Donc je vous remonte l'image en grand. Donc, voilà ce que ça donne. Ouh là 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 là. Donc déjà, c'est un petit patron. Et on va manger du confetti. Après, je vais regarder au niveau. Mmh.
Ça a l'air d'aller, à part les deux symboles-ci. Alors, vous avez un trait noir sur fond jaune et un trait noir sur fond blanc. Donc, j'en ai vu un tout à l'heure. Ici. Non, c'est pas ici. Voyez ici, là, vous avez exactement un trait noir fond jaune. Et un au-dessus de l'autre, vous avez un trait noir fond blanc. Donc, il faudra se faire super gaffe. Ah oui, je vous ai pas dit. Donc, vous avez le nombre de couleurs. Donc là, il n'y aura que 20 couleurs. Eh ben, ça va être ouf, hein. Vous avez les symboles. La couleur DMC, mais bon, c'est pas de la DMC. Et là, c'est approximatif les couleurs que vous allez avoir sur la table. Approximatif, parce que je sais que l'atelier Aditit a fait la comparaison et c'était pas du tout ressemblant. Donc, avec DIY Cross Stitch, vous avez toujours deux aiguilles sur la toile que je vais changer d'ailleurs. Hop, je vais les mettre en haut, à gauche, comme d'habitude. Voilà. Donc, voici. Attendez, je vais vous pousser un petit peu. Est-ce que vous voyez là? Allez, ça, je vous enlève. Et puis là, il y a une tonne de colis. Voilà, vous voyez entier. Donc, vous avez toujours la petite image qui est très, très floue. Très flou, vous avez les numéros, les symboles et la couleur TMC. Voilà, donc je regarde s'il n'y a pas de décalage. Non, il n'y a pas de décalage. Ouais, s'il y aura un tout petit peu de décalage là. Vous voyez, quand vous piquez sur l'aiguille là, vous mangez un peu, ça dépassera quoi. À faire attention. Bon, après, avec le patron, c'est facile. On fait une photo, on agrandit et c'est fait. Donc, je vous montre, ça va être très foncé. Les couleurs, il y a mon petit violet là que j'adore. Voilà, ça doit être du 939 celui-là. Et le côté, mais cette toile là, je l'ai pas vue sur sur YouTube donc. Bon, il faut aimer les confettis, moi, je vous le dis. Hein. Bon, ça, c'est bon. Donc, c'était au prix de 5,56 €. Je vous avais dit, je crois, non? Oui, on l'a regardé. Donc, hop, celle-là, c'est fait. Après, nous avons, j'ai adoré ce modèle. Donc, c'est 50 sur 50,
C'était, je crois qu'il n'y a que les 11 CT. J'ai pas pris celle-ci. Ouais, j'ai qu'une toile en 14 CT. Donc, voici l'image de plus près. Après, je les mettrai dans des pochettes action. Hop. C'est la couleur. Ah, puis on n'a pas mesuré la toile, tiens. Alors. Toujours petit patron, hein, du coup. Mais bon, là, je pense que ça va aller. Le plus, c'est sur la première que je vous ai montrée. Donc, voici le patron. Il y a pas mal de... C'est bloqué. Je trouve pas ça confettu parce que ça se suit. Donc, vous pouvez gérer, arriver peut-être un peu autour des oreilles du chat, là. Mais autrement, ça va. Ça va, ça va. Donc vous avez toujours la petite image qui est là. Le nombre de couleurs qui en a 25. Alors sur celle-ci, il y en a 25. Sur l'autre, il y en a 20. Et il y a plus de... il aurait pu avoir plus de confettis. Plus de couleurs sur l'autre. Mais bon, bref, c'est pas grave. Vous avez les symboles et la couleur. DMC. Et approximatif. De manière, ça va être ou dans le noir ou dans le blanc. Hein. Voilà, je vous remontre. Ça, c'est le patron. Donc, toujours les deux aiguilles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, les deux aiguilles. Et voici la bête. Hop. C'est moi qui fais bouger le sachet. Donc voilà. Donc du coup, on va la mesurer celle-ci. Donc, bien sûr, c'est avec les bords. Hein. Et il y a des super larges. Ils sont très larges les bords. Donc oui, ça fait du 39. En principe, sur. Ah ben non. Sur 40 et demi, on a l'impression que c'est un carré mais s'y est pas. Donc là vous avez le retour de l'image, les symboles, non, le nombre d'échevettes, les symboles et la couleur, et la couleur approximative. Donc là ça va. D'un côté, j'ai la trame, donc il n'y a pas besoin de surfiler. Mais vous savez que moi, je prends du scotch de peintre. Pour faire les contours. Et en fait, je fais pas le... surfilage. Donc celle-ci elle coûte 7,24 €. Et donc sur la photo du site, vous voyez bien, c'est bien comme elle va donner. Hein. Voilà, je vais vous montrer les couleurs maintenant. Donc, il y a du clair, pas mal de clair, du foncé. Donc, celui-là, il n'a même pas été attaché, il a été juste enfilé comme ça. Le 22, pareil. Donc, il faudra faire attention de ne pas perdre les fils, parce que là, du coup, je ne peux même pas les peigner. Parce que ça va se... Hop, je replie ça comme ça. Ça, c'est fait, celle-ci sera à mettre sur une dans les pochettes d'action. Après, on va commencer. Voilà, je continue sur celle-ci. Donc, je l'avais vue sur une chaîne, je sais plus laquelle. Alors, je sais pas si c'est Angélique ou Lynn. Bah, Lynn, c'est sûr. En fait, il y a beaucoup, beaucoup tout le tour là. C'est que du demi, la demi-croix et vous avez que en croix pleine. La voiture, la vitre, c'est en demi-croix.
Les cadeaux, c'est en point complet. Ça aussi, ça aussi. Il y aura un tout petit peu de backstitch. Mais le demi-point, c'est pour faire du relief. On va regarder ça. Bon, celle-là, je pense qu'elle sera pour des... Oh, c'est une cartonnette comme ça. Je les aime pas, ceux-là. Donc, je vous montre. On va commencer par l'image. Ça, vous voyez mieux sans le plastique. Donc, c'est bien une 14. C'est 2 brins et 21 sur 29 cm. Donc, après, vous avez l'image en petit, comme ça. Donc, nous avons 32 couleurs pour le full stitch. Pour le half stitch, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Et une pour le back stitch. Et ça sera du noir. Alors, ça sera que sur deux côtés. Donc, ça, c'est le bas de la voiture. Et la deuxième partie. Aussi, j'aimerais bien voir ce que c'est. Ah, bah, c'est du full stitch. Vous voyez, là, vous avez quelques parties en full stitch. Là, là. Là. Et à savoir, les symboles qui sont sur le diagramme ne sont pas les mêmes sur la toile. Hein. Ça, c'est. Ouais, c'est un cross-stitch, c'est pas un Joy Sunday. Je savais plus. Donc, voici la petite toile. Donc, vous voyez ma main. Je vous la mets comme ça. Aussi. Ah ben, vous voyez rien du tout. Donc, c'est vraiment une toute petite toile. Hein. Donc, je vais vous la mesurer. Ça, je vais pousser. Elle n'est pas excessivement chère, celle-ci. 22 sur 16,5. Alors, avec cross-stitch. Joy Sunday, vous avez deux aiguilles et cette cartonnette là, j'aime pas du tout. Ça, en fait, quand vous prenez, il y a tout qui se casse la binette. Bon, je vais faire comment? Je vais vous faire comme ça. La dernière toile, j'espère que vous allez bien voir. Quand il y a deux toiles comme ça, c'est pénible. Il est pour le bleu, là. Je sais pas ce que c'est comme bleu. On a l'impression que c'est le même, mais c'est pas le même. Il y a 39, 40, 41. Ça doit être deux couleurs qui se suivent, je pense. Je pense, hein. Voilà. Et on va regarder ce que c'est comme couleur. Le 39. Ah bah c'est pour faire le... Alors, le 39, 21, alors, 29, 30. Donc ça doit être de ce côté-ci. Ouais, c'est pour faire le fond. Ouais, c'est pour faire le fond. Bah, ça sera super beau parce que j'adore. Voilà. Donc, je vais mettre les fils dedans. Maintenant, comme ça, autrement, je vais juste ranger celle-ci, comme c'est, je vais reprendre, alors 3,31 €.
Bon, c'est ça, celle-ci c'est bon. Alors on va juste remesurer celle-ci. Ah si, on l'a fait celle-là, c'est l'autre qu'on n'a pas fait. Hop. Je la pose là. Donc on va mesurer celle-ci. La Mister. Là, vous voyez, oui. Donc, ok, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, c'est du 40. Ah, il y a 10 cm de moins. Sur du 30,5. Approximatif 10 cm de moins. Et ben, hop. Fasse pas de bêtises. Je vais laisser pied comme ça, comme ça. Celle-ci, c'est celle-ci. Et celle-ci, c'est comme ça. Après, je vais m'emmêler les pinceaux. Je ne saurai plus où c'est. Je fais pause et je reviens. Je déballe et je reviens. Donc, me revoilà. J'ai déballé une toile. Donc, dans cette toile, ben, je vais vous montrer déjà le dessin. Ma préférée celle-là. Celle-là, c'est la première que j'ai mis dans mon panier. J'ai adoré. Donc c'est un 40 sur 56. Donc vous avez toujours ces vendeurs son nom. Donc vous avez toujours les explications pour bien commencer une toile. En toile imprimée, toile comptée. Après, vous avez le diagramme. Voilà, je vous ai fait bouger un tout petit peu pour que vous voyez correctement. On a 50 couleurs. Vous vous rendez compte? 50 couleurs comparé à l'autre à 20 couleurs. Donc, vous avez toujours, vous êtes plus loin. Vous avez, excusez-moi, vous avez la petite image. Donc, c'est ma petite fée clochette que j'adore. Vous avez le nombre de couleurs, les symboles, la DMC et approximatif les couleurs représentantes. Donc après vous avez un toolkit. Donc là vous avez 2, 4, 5 aiguilles, la bague et l'enfil aiguille. Après au niveau de couleurs, vous avez 3 tresses de 310. Au niveau couleur, que c'est beau. Que c'est beau. Donc ceux-là, ils ne sont pas attachés. Ouais. Donc, je vais vous montrer les couleurs de 1 à 18. Oh, mais ce vert, je vais vous le montrer. Ce vert là, mais c'est un vert fluo quoi. Il est magnifique. Magnifique. Celui aussi, c'est un vert pastel. Mais un vert quand même. C'est lequel? Le 12. Le 12. C'est du 704. Mon vert fluo là. Et vous avez une partie de violet, de bleu, de brun, de jaune, un rouge presque, c'est pas un rouge, c'est presque un couleur brique, ouais, couleur brique. Alors celui-là, toute beauté, je vais m'éclater. Donc je vous montre la dernière. Comment on appelle ça? Crotte. Cartonnette. Donc là, vous savez, c'est le blanc qui est un peu vert d'eau. Il est trop beau celui-là. Il ressemble à mon pull. Donc voilà. Et là, le 50, le 50, c'est du
65. J'ai jamais vu encore de, à part chez Dieu Santé, mais j'ai jamais vu de 5200 dans les kits comme ça. Donc ça, c'est bon. Et je vous montre la toile. Hop. Donc c'est une 40/56. Donc je vous montre. Je vous mesure la toile. Approximatif. Hein. C'est à 50,5 sur 35. Là, ça va. Il y a de la marge, mais pas plus que ça. Donc, c'est une toile sur filet, bien évidemment. Hein. Donc, ça, je vais mettre dans les fils. C'était emballé dans des fils. Les fils, ils étaient emballés dans un sachet séparatif. Donc celui-là, ça va pousser là. Je vais le mettre là. Après, je vais mettre tout en pochette action. Donc je vous reviens, je défais deux. Il m'en reste 3 et 4 pour le cadeau que j'ai reçu. À tout de suite. Donc me revoilà. J'ai oublié de vous dire le prix pour la fée clochette en vitrail. Donc, elle est au prix de 7,35 €. Et après, nous avons celle-ci. Elle est où? Elle est là. Donc, elle va pas être loin. Voilà. Alors, celle que je vais vous montrer, elle est au prix de 5,56 €. Donc, c'est une DIY cross stitch. Donc, la rose de la belle et la bête. En genre vitrail. Donc, je vous montre. Alors, ce qu'il y a de bien dans les nouveaux. Donc, je vous montre le patron. Bon, il y a du confetti, il y a du bloc, mais bon, confetti, ça va. C'est pas catastrophique. Donc, vous avez l'image. Le nombre de couleurs. Donc, on en a 25, les symboles, la couleur, les fils et la couleur approximative. Donc, pour les nouvelles toiles, ils font un QR code, ce qui est bien parce que vous scannez ça et vous l'avez sur votre téléphone et vous pouvez agrandir comme vous voulez. Donc chez DIY Cross Stitch, il y a deux aiguilles. Je regarde si il y a un décalage, mais je ne crois pas. Non, ça a l'air d'aller. Bon, en principe, j'ai pas eu de... Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de problème sur les toiles. Bon, je les ai pas toutes faites, hein, je les ai pas toutes commencées, mais... Donc, on va mesurer. Et sur le site, c'est bien stipulé sur les photos, hein, qu'ils disent un 40/50, mais là, c'est un 40,5 sur... Tu vas rester avec moi. Il veut pas. Sur un 31. Ouais, si on tire, si on aplatit bien la toile, c'est bien du 31. Donc je dis à White Cross Stitch, hein, ils font énormément de marge. Donc vous avez la petite image représentative. Vous avez le nombre de couleurs, les symboles et la couleur des fils. Bien sûr, le QR code qui est aussi là-dessus. Comme ça, je vais mettre dedans.
la première que je reçois avec la QR code, hein, quand même. Donc, je vous montre les couleurs. Donc là, le noir, encore une fois, il n'a pas été fermé. Donc, je ne peux pas peigner mes fils. Donc, il y a beaucoup de bleus. Ils sont beaux, ces bleus-là. Il faut faire le fond, ça. Et voilà. Et on n'a pas de surplus. Allez, je vous... Donc celle-ci a été au prix de 5,56 €. Mais pour voir sur les sites ce que votre toile fera à la livraison, il faut bien faire défiler les photos. Hein. Parce que je crois que c'est dans les dernières, comme dans celle-ci. Vous voyez, il y a 19 photos et vous pouvez faire défiler. C'est tout ce que ça a été fait, mais avec différents cadres. Donc, il vous montre ce que ça donne. Hop. On y arrive. On est à la 18. À la 19, c'est la dernière. Après, ça dépend. Donc, ça fait bien du 42/32. C'est bien stipulé. C'est pas un vrai 40/50. Mais bon, ça, on le sait toutes et tous. Donc, voilà. Il nous reste encore deux toiles. Plus le cadeau que j'ai reçu. Donc, je déballe et je reviens vers vous. Donc, me revoilà. Donc, celle-ci, c'est de la compagnie Son Nom. Mais regardez l'image. Là encore, vous la voyez pas mal. Et moi, je la vois toute trouble. C'est encore assez pas mal. Comme ça. Mais de là, oui, rien du tout. Donc, comme sur les autres, vous avez les explications pour faire du point de croix, estampé et compté. Vous avez le diagramme. Donc là, je pense que ça va être un peu plus confetti. Comparé à l'autre, là, celle de la bibliothèque, c'est pas comparable. Donc, je pense que là, c'est au summum au niveau confetti. Vous avez la petite image, le nombre de couleurs, les symboles, la couleur des échevettes et la couleur approximative de, des couleurs. Donc là, nous avons 49 couleurs. Donc, dans ce kit, nous avons... un œuf et l'aiguille, la bague, le pompon avec. Je vais tourner l'autre sens pour bien voir. 5 aiguilles. Voilà. Je vous montre la grille, après on fait les couleurs. Donc voici ce que ça donne. Attendez, je vous l'avance un petit peu. Hop, ouais. Voilà, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Donc, on va la mesurer ensemble. Donc, là, c'est tout kit. Donc, c'est une 40/56. Alors là, ça fait du 50,2. 51,2, pardon, et 53. Et du 34,6. Donc, vous avez toujours la toile sur filet. Ça, c'est un avantage, c'est un gain de temps. Après, vous avez la petite image qui est floue.
le nombre de symboles E, le nombre de couleurs, les symboles et la couleur des échevettes. Voilà. Hop, ça va là. Et après, je vous montre les couleurs. Donc celle-ci. Elles sont en livres et l'autre en euros. Donc celle-ci a coûté 8,03 €. Donc je vous montre l'image. Voilà ce que ça donne. Hop, hop, hop. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc nous avons deux échevettes et deux échevettes. Deux cartonnettes. Alors là, il y a du poids dessus. Hein. Je pense que je vais utiliser les organisateurs en plastique que j'avais acheté. Donc, voici la première couleur de Mickey. J'ai peut-être entendu mon chien. Donc voici les autres couleurs. Celui-là, c'est vraiment un vert pétant. Ça doit être du 704, le 31. Le 31. Un 907. Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'autre, c'est aussi du 907, je ne sais plus. Donc voici les couleurs. Vous les voyez bien là. Et je vous montre la dernière, dernier côté. Et sur celle-ci, on n'a pas de surplus. Voilà. Toujours le 3865. Hop. Ça, c'est replié. Bah, tout est dedans. Donc, j'ai sorti la dernière que j'ai achetée. Alors, là, attention, je garde les meilleures pour la fin. Excusez-moi, je prends un coup parce que là, j'ai la gorge sèche de ces sèches. Et donc, du coup, ça, c'était mon deuxième choix. Donc, cela. Est-ce que c'est la même 340. Alors, c'est pas le même. Alors, nous avons du surplus des cheveux, bien sûr. Donc là, c'est du 340. On en a deux. Donc, celle-ci, elle se défait, mais bon, c'est pas grave. Après, nous avons du 155. Donc, imaginez-vous, c'est bien du violet. Hein. La toile va être violet, violet, violet. Celle-ci, c'est du 37-46. Hein. 333. Voilà. Pour encore un violet, c'est du. C'est entre le bleu et le violet, je dirais. Du 791. Il y a quand même un ton un peu violacé. Après, nous avons du 310. Du 37,99. Désolée si vous entendez mon ventre. Ah, c'est pas mon ventre, c'est mes intestins.
Donc le tout le kit est le petit rapport appui, la bague, le pompon. Et 5 aiguilles. Et là, c'est quoi? C'est les oiseaux? Ouais. Les hirondelles tirées. Je n'ai pas regardé les autres. Ce que c'était. Désolée, mon vent qui fait un peu d'enfer. Bon, allez. Je vous languis pas plus. Voilà, c'est du projet, hein. Il va être grand. Donc, voici. Le projet, il fait du 50 sur 95 cm. Donc, en nombre de points, c'est du 191 sur 386. Donc, vous avez toujours les explications, comme d'habitude. Hein. Et là, je vous montre le patron. Immense. Hein. Je pense que là, on va avoir un peu de confetti quand même. Vous le voyez, alors attention, je vais vous surélever pour vous voyez entier. Ben, si je mets mon doigt sur l'objectif, vous n'allez rien voir du tout. Donc voilà, vous l'avez vu entière et après je vous relèverai pour vous montrer la toile si vous ne la voyez pas entière. Donc vous avez toujours. La petite image, j'étais en train de chercher ce que je devais dire. Alors, donc, là, nous avons 49 couleurs. Donc, le nombre d'échevets, le nombre de couleurs, les symboles, la couleur des échevettes et toujours approximativement la couleur. Donc, ceci, c'est fait. Je vais vous montrer la toile et après on continuera avec les couleurs. C'est ça que je voulais voir. Ah ben il rentre hein, dedans. Dans mon petit snap. Donc, j'ai bu mon café. Et c'est toujours mon CP. Hein. Je vais vous surélever pour que vous voyez bien la toile. Je vais essayer de pas mettre. Voilà, là vous la voyez. Voilà, je peux pas faire mieux. Mais vraiment pas. Donc là. Donc vous avez comme les. Ça fera comme un cadre en fait. Ça fera joli. Le 14, c'est quoi? 340. Ah bah c'est le à violet, non? On a regardé tout à l'heure. 340. Ouais, c'est le violet que je vous ai montré. Donc vous avez la petite image, le nombre de couleurs, les symboles et la couleur des du fil. Donc là, voilà. 49 couleurs. Je regarde s'il y a un décalage. Allez, je vous montre les symboles en même temps. Oui, c'est super net. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Hein. Non, il n'y a pas de décalage. Je vous montre bien. Voilà. Donc sur celle-ci, il n'y a pas de décalage. Donc. On va essayer de la mesurer ensemble. Pour ne pas gagner. Hop. Alors, c'est du 98. Non, 91. Ouais, 91. On va savoir s'il y a que 2 cm à peu près. Ouais, il y a 3 cm et demi à peu près là. Ouais, là aussi. Donc, hop, on fait ce côté-ci.
Et ça fait du 44,7. Voilà, comme ça c'est fait, c'est mesuré. Hop. Alors, comment je vais faire? Donc, je vais vous donner le prix de celle-ci, si je la retrouve. Hop, hop, hop. Donc là, elle est à 14,43 euros. Ben moi, je dis qu'elle n'est pas chère. Hein. Pas chère du tout. Vu le travail qu'il y a à faire dessus, ouais, c'est bien. J'avais pas vu, parce qu'en fait, c'est les elfes ou les fées. C'est plus des fées que des elfes. Ouais, les petites fées. Donc cette toile, c'est féerie dans. Je sais plus dans quoi je l'avais trouvée. Donc je vous montre le reste des cartonnette. Donc je vous montre le premier au 18. Celle-ci aussi, hein. Il faudra que je fasse une toile après l'autre. Parce que je ne vais pas avoir assez de cartonnette en plastique pour tous les mettre. Hein. Il faudra que je fasse un choix quelque part. Donc voilà, l'autre côté. Ça doit être du 550 le violet là. Mais bon, si vous n'aimez pas le violet, ça ne sert à rien. Je dis ça, je ne dis rien. Ah, moi j'ai adoré. Quand je l'ai vu, j'ai craqué littéralement. Et donc voici le reste des couleurs. Voilà. Donc du coup. Du coup, moi que je vais faire, donc tac, tac, si, voilà, je ferme comme ça, comme ça, donc là maintenant il me reste, je vous ai tout montré. Il me reste le cadeau parce que on demandait pour 30 livres, 30 dollars canadiens, je crois. Et vous aviez un cadeau. Donc, quand il vous le note, et en fait, ou vous choisissez un cadeau pour le Diamond Painting ou un cadeau point de croix. Moi, comme j'ai énormément de toiles de tout, hein, Diamond Painting ou. Point de croix, là, je crois, arrêter d'acheter parce que les placards se remplissent, mais je vais pas aussi vite que eux. Donc, du coup, ça, c'est un cadeau. Donc, on n'a pas le choix. En fait, on clique hein, sur le cadeau point de croix ou Diamond Painting. Donc, je vous mets sur pause, je déballe et je reviens. Donc, me revoilà, j'ai tout déballé. Donc, ça, c'est un cadeau. Après, c'est pas mon kiff, les loups, mais je le ferai. J'espère que vous voyez bien que la lumière, ouais, ça va. Donc, c'est un 40 sur 40, le bord inclus, c'est un 148 sur 148. Excusez-moi. Après, vous avez toujours les mêmes explications, puisque c'est la société, son nom. Donc après, vous avez le diagramme, la photo, le nombre de couleurs, les symboles, la couleur des fils et la couleur approximative de la toile. Donc du coup, vous avez 36 couleurs. C'est pas mal pour un 40 sur 40, je dis. Il y en a qui devraient prendre modèle. Je dis rien. Alors, nous avons le petit sachet avec le toolkit,
le petit parapluie, la bague, le pompon et 1, 2, 3, 4. Non, pas 5. Non, que 4. Il n'y a pas une qui est tombée. Non, que 4. Alors, des fois, ils en mettent sur la toile. Mais bon, c'est pas grave, j'aurai assez, je pense, d'aiguilles. Bon, après, il y en a certaines que je mange. Donc, vous avez... Oh, attendez. On va pas faire ça, on va faire la toile. Allez, on ouvre. Donc, voici la toile. Je me dépêche parce que j'ai mon fils qui va rentrer de l'école. Et là, c'est... Il fait du bruit. Petit jeune. Donc, voici la toile. On voit bien. Bah, de la caméra, moi, je vois les yeux, le nez. Ben, le nez. Non, ils n'ont pas de nez, ils ont un museau. Donc, voilà. Ça, alors, celle-là, elle sera faite. Hein. Mais avant, il y en a d'autres à faire en priorité. Donc, là, vous avez la petite image, le nombre de couleurs, les symboles et la couleur des fils. Donc, 36 couleurs. Je trouve ça pas mal hein, pour un 40 sur 40. Qu'on fait la comparaison avec l'autre. Mais je vais m'amuser sur l'autre. Donc, la couleur 939. Tuk, 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 tuk. On démêle, on démêle. Et c'était toujours dans un sachet à part. Hein. Quand j'ai déballé, j'ai tout mis dans la poubelle pour le recyclage. Comme ça, c'est fait. Donc, du coup, on va commencer. Oh là, le premier, je crois que c'est pas du 310. Si, le premier, c'est du 310. Donc, voici les couleurs. Toujours ce beau bleu, là. Je sais pas où il va aller, ce bleu, là. On va regarder. Vert pâle. Voilà. Des verts. Brun. Et après, c'est dans le bleu. On retourne un peu dans le brun gris. Et dans le... On dirait la même couleur, le 35 et le 36. Sérieusement, je vois pas de différence. Hein. Vous, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous voyez une différence. Donc, on a dit 35, 36. 35. Alors, c'est le 3808 et 3809. Ah ben, chapeau, parce que moi, je ne vois pas. Je vois pas de différence. Mais pas du tout. Hein. J'ai quand même vérifié sur Internet ce que c'est les références et voir s'ils ne sont pas trompés. Ça n'a pas arrivé. Hein. Après, je leur envoie un mail et puis c'est vite fait. Bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, je vais cliquer sur... Oh, bah alors, je vais me dépêcher. Oh. Puis, elle est tellement lourde. Elle se plie déjà comme ça. Alors. Celle-ci, elle va atterrir aussi. Voilà. Donc, on va retourner voir. Je pense qu'on voit le cadeau... Non, ils disent pas. Ils disent pas le prix. Ils disent juste que le prix c'est entre 3,35 € et 5,60 €. Vous voyez? Donc quand vous avez atteint votre truc, donc vous tombez là-dessus. Je vous montre bien. Donc, du coup, vous descendez, oui, c'est pour 30 livres. Donc, tac, tac, tac. Et après, vous avez le choix. Une pièce diamond painting kit, une pièce cross stitch kit ou une pièce DIY diamond craft kit. Et ça, je ne sais pas ce que c'est.
Les autres, oui, mais l'autre, je ne sais pas. Et si je clique dessus, ça fait quoi? Ça fait rien. Ah, je ne vous ai pas dit que je l'ai commandé. Attendez, je vais regarder ça. Ouais, apparemment, le kit, il coûte 5,60 €. Après, ils sont pas foutus de nous, hein. Pas de moi. Donc, il me reste une toile que j'ai pas reçue. J'ai reçu un mail en disant que ça allait arriver. Je vais juste cliquer dessus pour voir où c'en est. Ben, on voit pas. On voit pas. Tracing. Et je confirmerai la réception. Février, il est prêt, pas loin apparemment. Ouais, apparemment il est pas loin, le dernier que je vais recevoir. Bah, déjà quand j'ai reçu le mail, il y en avait que c'était pas envoyé. Ensuite je les ai reçus. Ouais, vous voyez, comme là c'est marqué shipping et celui-là aussi, mais je les ai reçus. Celui-là, il y a eu dû avoir un petit problème sur le truc, mais c'est bon, ça c'est pas grave. Hop, je retourne sur mes mails et ils m'ont confirmé. C'est bizarre parce qu'il me semble pas que j'ai commandé 24, j'ai commandé avant. Non, j'avais fait le 24, alors je vérifie dans mes mails. Ouais, donc du coup, j'avais passé commande de 24, sachant qu'il y avait quand même le nouvel an chinois qui s'était fermé jusqu'au 28. Et là, hier, j'ai reçu les trois quarts, on va dire les trois quarts de ma commande. Et on était le 7. Donc ça va. Je veux dire, ils ont repris quoi le 28? Ça tombait quand le 28? Un dimanche. Je vais regarder ça. Le 28 janvier. C'était un samedi, donc dimanche. Ouais. Donc du coup, ils ont repris le travail le 30. Donc ça fait même pas 15 jours, quoi. Une semaine et demie. Ils ont repris le lundi 30. Ouais, ça fait une semaine et demie, quoi. Donc, ils ont été vite, hein. Très, très vite. Bon, donc, voilà. Donc, écoutez, si cette vidéo vous a plu, un petit like. N'hésitez pas à partager la vidéo. Me mettre un petit commentaire. Vous avez peut-être déjà des kits comme ça. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez des kits, si vous en avez acheté. Pendant le nouvel an chinois ou avant ou après, et s'il y a un kit qui vous intéresse. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée parce que mon fils va pas tarder de rentrer du collège. Faut que je prépare son assiette et je vous dis à plus tard. Bye bye tout le monde.